pasteur, écouter le berger le suivre, nous savons qu'il nous arrive de quitter sa suite et de sombrer dans le péché en toute confiance. Faisons appel à son amour miséricordieux. Le bon pasteur est venu soigner. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés. Seigneur, gloire à Dieu. Pour moi, devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions par la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris. Car vous étiez errants comme des brebis, mais à présent, vous êtes retourné vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé.
Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, sous cette douceur du bon pasteur se cache, vous l'avez entendu, une redoutable condamnation des bergers de l'époque, à savoir les pharisiens et les scribes. Pour comprendre le sens et la portée d'un message, il convient de considérer ce qui l'a suscité ainsi que son contexte. Notre passage dans l'évangile de Saint Jean qui vient d'être proclamé se situe aussitôt après la guérison de l'aveugle de naissance. Cette scène a provoqué une violente altercation entre Jésus et les pharisiens. Jésus n'a pas hésité à leur déclarer qu'ils étaient de véritables aveugles, qu'ils étaient pécheurs. Il a osé affirmer que lui seul est la lumière dans le monde des ténèbres où ils se complaisent. Aujourd'hui, Jésus continue de nous révéler qui il est. À plusieurs reprises, il affirme avec autorité « je suis la porte, je suis le pasteur, je suis le berger des brebis ». Il utilise des images connues de ses contemporains juifs. Au temps de Jésus, la nuit, les brebis étaient parquées dans un enclos entouré d'un muret. Un gardien assurait la sécurité des différents troupeaux rassemblés. Au matin, chaque berger venait chercher les brebis de son troupeau. Il les appelait et les faisait sortir. Il prenait la tête du troupeau pour les emmener dans les pâturages. Le peuple d'Israël, grâce au témoignage des ancêtres, conservait dans la foi le souvenir du roi berger qu'avait été David. Depuis le prophète Ézéchiel, le peuple attendait un Messie pasteur, un Messie qui ne prendrait pas soin de lui-même, mais des brebis, en particulier de la brebis blessée ou égarée. Une partie du peuple dans ce courant religieux attendait un pouvoir spirituel soucieux des personnes. Jésus se présente comme ce berger-là. Pour lui, le berger, le guide religieux qui demeure étranger à son projet, n'est qu'un voleur du troupeau et un bandit. Devant l'apparente incompréhension des pharisiens, Jésus accentue sa condamnation. Il se positionne ouvertement contre eux. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé. Jésus ne peut pas être plus clair. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Le jugement de Jésus à l'égard des pharisiens est terrible. Il est, lui, le seul pasteur. Il connaît ses brebis, elles connaissent sa voix. Il sait ce dont elles ont besoin. Il ne renonce pas à donner sa vie pour elles. Il les aime d'un amour désintéressé. Frères et sœurs, je vous invite à vous poser une première question. Jésus est-il votre pasteur, celui que vous priez, celui dont vous vous nourrissez de sa parole et de son Eucharistie? Dans l'Église, il n'y a qu'un seul pasteur, le ressuscité. Son amour pour le troupeau est sans limite. Aucune brebis ne lui est indifférente. Il prend soin de chacune. Chacune d'elles connaît sa voix. Chacune répond à une vocation pour la bonne santé de l'ensemble du troupeau dont je parlais au début de cette messe. Parmi ces brebis, l'unique berger en appelle certaines à conduire le troupeau à sa suite. Les prêtres répondent à cette mission. Ils sont configurés au Christ pasteur. Ils font entendre sa voix. Ils procurent la nourriture sacramentelle nécessaire au troupeau. Ils entraînent les brebis dans des pâturages missionnaires. Frères et sœurs, je vous invite à vous poser une seconde question. Soutenez-vous les prêtres que l'Église vous envoie? Comment les aidez-vous dans leur mission? Ce dimanche, comme nous l'évoquions au début de cette Eucharistie, est le dimanche de prière pour les vocations. Et les vocations sont multiples. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui témoignent de la beauté du sacrement de mariage dans la fidélité de leur amour et l'accueil de la vie. L'Église a également besoin d'hommes et de femmes qui s'engagent toute leur vie dans le don de leur être à travers la vie consacrée. L'Église a aussi besoin de prêtres qui, à la suite du Christ, offrent leur vie pour être pasteurs dans le monde d'aujourd'hui. Croyons-nous que répondre aux appels de Dieu rend heureux? Marie, notre mère, nous accompagne sur ce chemin qu'elle connaît. Durant ce mois de mai, je vous invite à prier chaque jour une dizaine de chapelets pour les vocations et bien sûr également pour nos séminaristes. À chacune et chacun de vous, je souhaite un beau mois de mai, que nous demeurions tous unis à Marie. Amen.
en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Et Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie, il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Amen. Notre bon pasteur, notre berger, connaît chacune de ses brebis. En toute confiance, nous lui présentons nos intentions de prière. Seigneur, la crise du coronavirus nous met dans une situation de vie spéciale. Nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à cette crise. Éclaire de ta lumière les chercheurs pour ouvrir un chemin de guérison et ouvre nos cœurs à ton chemin de salut. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, ravive en nous la conscience de la dignité qu'il y a à être des baptisés. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté à travers les messes en ligne. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, en cette journée mondiale de prière pour les vocations, nous te rendons grâce pour la beauté du sacrement de mariage. Comble de grâce toutes les familles et les couples qui se préparent au mariage, spécialement et durant ce temps de confinement. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence des religieux et des religieuses, des prêtres, des diacres, ainsi que de tous les consacrés, hommes et femmes. Nous te prions pour tous et spécialement pour Morgane, Guillaume et tous ceux qui seront ordonnés au cours de cette année 2020. Qu'ils soient fidèles à leur charisme au service de ta parole, des sacrements et des pauvres, et qu'ils soient un signe stimulant pour toute l'Église. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour les jeunes qui osent prendre en main leur projet de vie. Que cette crise sanitaire ne freine pas la construction de leur vie, mais stimule la charité que tu mets en nos cœurs, et qu'ils osent répondre à l'appel de ton amour, Créateur et Sauveur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'action de ton Esprit dans le cœur de chaque être humain. Que cet Esprit Saint
donne désir, courage et confiance à tous ceux qui n'arrivent pas à donner forme à leur vie. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Aux appels de ton peuple en prière, réponds, Seigneur, en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit toujours une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, hosanna au plus haut des cieux, hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, hosanna au plus haut des cieux,
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Aurin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous, y compris Saint Philippe et Saint Jacques. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Père très aimant, et ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, spécialement ce matin pour les défunts de la famille Vendière, pour Marie-Jo Launay-Huard, Joseph Ragusa, France Feuilleux, les défunts de nos familles, tous ceux qui sont confiés à la prière de notre diocèse, les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à
toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans l'esprit de notre baptême, nous pouvons dire tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, en mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu pour un monde nouveau, pour un monde d'amour. Et que viennent les jours de justice et de paix. Thank you.
Prions ensemble. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux par Jésus le Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas d'annonce particulière, mais je profite de quelques secondes pour donner des informations. En effet, cela ne vous surprendra pas, je reçois un certain nombre de réactions des uns et des autres. Toutes ces réactions expriment leur déception que je partage de ne pas pouvoir célébrer la messe en étant tous réunis comme nous en avons l'habitude. Il convient de respecter les règles de sécurité au niveau sanitaire. C'est un devoir de charité. Donc, c'est à prendre en considération. Mais il convient aussi de prendre en considération, pardonnez-moi cette expression, que nous ne sommes pas l'Église du silence. Et donc, que je vous signale simplement ce qui existe. Rassurez-vous, les évêques ne restent pas inactifs. Pour très simplement vous dire, demain lundi, je participerai, comme tous les évêques de France, à une vidéoconférence. Bonne partie de la matinée. Mardi, je rencontrerai mes 5 frères évêques dans la province de Normandie. Mercredi, nous aurons aussi vidéoconférence au niveau du Conseil épiscopal d'Évreux. Sachez que je suis en contact permanent avec la préfecture. J'ai évoqué à la préfecture mon désir, ma volonté, de célébrer la messe chrismale le 24 mai, même si c'est dans des circonstances particulières. Et donc le dialogue se poursuit avec les autorités de l'État, en redisant que nous prenons au sérieux ces consignes sanitaires, mais que en même temps, nous voulons exprimer, célébrer notre foi. Il nous faut aussi, avec l'aide de l'Esprit-Saint, réfléchir pour ce temps de confinement, mais aussi au-delà, comment nous allons participer à donner un dynamisme, une espérance à nos frères et sœurs qui sont dans notre pays. Et la Vierge Marie peut bien sûr nous y aider beaucoup. C'est pourquoi je vous ai demandé de la prier pour les vocations. Mais j'en suis certain, notre prière, votre prière, ne se limitera pas uniquement à cette intention de prière. Enfin, avant la bénédiction finale, je voudrais souhaiter une très belle fête aux Philippe et à ceux qui portent le prénom de Saint-Jacques, sachant qu'il y en a 2. Donc à tous ceux dont c'est le bon Saint-Jacques, je dis belle fête. Et à tous, bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle. Alléluia, bénissons-le. Il suscite partout des énergies nouvelles. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à main pleine. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.